Disclaimer. Disclaimer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Moi, je préfère consommer avec excès, mais bon, c'est comme vous voulez, hein. C'est qui excès? Pour le coup, c'est très toi, hein. Parle-moi de ton enfance, ma fille. Tiens, Lola. Raconte-moi. Bonjour. Avant toute chose. Ah merde, oui. Alors là, pour le coup, on a obtenu la clé de la forêt. Donc là, faut que t'ailles à droite pour aller dans la forêt. Désolé. Enfin, moi, regarde ta map. Il me semble que c'est à droite. Regarde ta map. Oups. C'est option, voilà, map. Ah, map. Ouais, tu vois. Vous allez à la forêt. Ah. La forêt, c'est à droite. La forêt. Ok. La 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 la. Je me suis auto-censuré. Quelle chanteuse déjà? C'est Brigitte Laforêt, non? Non, c'est Brigitte Fontaine. Non, c'est... Marie Laforêt. Non, c'est Liane Folie. Liane Folie Laforêt, oui. Bah, il y a des lianes dans la forêt. C'est dans la jungle. Dans la jungle, il y a des lianes. Pas dans la forêt. Bah, la forêt, c'est... C'est pas une jungle, c'est pas pareil, ok? Hashtag not all forest. Game. Bon, change pas de sujet. Parle-moi de ton enfance, PV. On a dit qu'on ferait ta psychanalyse. Oh, putain. Alors, bonjour, je m'appelle Pierre-Jean. Je mesure 1m80... Bonjour, Pierre. Je mesure 1m80 000. Et, je voyais que tes genoux. En même temps. Et, alors j'ai grandi dans la région parisienne depuis mon plus jeune âge. C'est vrai? Oui, je suis né à l'âge de 7 ans. Waouh! Avec des pieds à la place des oreilles. Ah, je suis vraiment désolée. Donc je marchais sur la tête. Un peu comme. Bah, en même temps, c'est-à-dire que j'étais en synchronisation avec le monde. Mais c'est ça, parce que le monde marche sur la tête. Exactement. Monde de merde. Oh là là, monde de pacotille. Ouais. Et donc voilà, j'ai appris le piano avec les coudes, parce que pour le coup, j'avais des spaghettis à place des mains. C'était pas facile. Ah oui. Ouais. Et trop cuit en plus. Comment ça se passait à l'école? Trop cuit. Donc ça veut dire que parfois, ça faisait de la purée. Est-ce qu'on t'appelait PJ Spaghetti? Non. Oh. À l'école, on m'appelait pas. Ah. Parce que j'y allais pas. Ah mince. À la place, j'allais faire des courses de moto, mais à cheval. C'est-à-dire que tu mettais des roues sur un cheval? Non, je mettais un cheval sur la moto. Ah, ça c'est bien. Ouais. Mais ça veut dire que vous avez quand même une part assez créative en vous, c'est bien. Non, enfin surtout c'est parce qu'après, on, comme ça, une fois qu'ils avaient fini, bah, on pouvait les manger parce que de toute façon ils se crachaient tous. En lasagne, je suppose. Ouais, en lasagne, bien sûr. Mmh. C'est là qu'est venu en fait. Vous avez fondé Findus. Mais c'est là en fait avec mon pote Michel Findus, quand on était gamin, on s'est dit tiens, il y a quelque chose, tu vois. Bon, on a quand même enlevé les boulons et tout parce que c'était pas. Oui, et parce le guidon. Il faut mieux des bouts courts. Oui, ça, surtout dans les lasagnes. On le dit pas assez souvent, mais dans les lasagnes, les bouts courts, c'est ça en fait qui fait vraiment la saveur de la bonne lasagne. Oui. Ça et les gencives de chevaux. Mais alors, dites-moi, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui va pas? Okay, alors. Qu'est-ce qui vous chafouine? Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai rencontré un homme. Ah, et alors, est-ce qu'il est gentil? Je sais pas. Ah, bah ça, c'est embêtant. Mais c'est qui? Je sais pas, je l'ai rencontré, comme ça. Et j'arrivais, et puis je l'ai vu, j'ai fait tiens, il faut que j'aille me faire signaliser. Mais j'ai une question. Je vous en prie. Si vous étiez un homme, mm-hmm. Est-ce que vous seriez capitaine? De la République. Alors, effectivement, on n'avait pas été à l'école. Merde. On a le public qui s'effondre. On a l'oreignette qui s'étouffe. Oui, parce qu'en fait, l'oreignette qui est en stand-by depuis tout à l'heure. Et là, elle a dit... Sauvegarde ! Tu fais quoi ? Ah, pardon ! Là, elle s'est dit, c'est trop. Voilà. Capitaine de la République ? Mais pour qui on me prend ? Voyons. Pour un jambon ? Ah non ! Alors que moi, je suis... Hein ? Alors que... Hein ? D'accord. Bah écoute, ça m'a fait plaisir de t'aider. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, t'es bien avancé sur ton avenir et ce que tu peux faire. Complètement. Je suis complètement orienté. Merci beaucoup, mademoiselle Guidou. Tu es plus complet que le blé. Ah. C'est... Attends, non. Faut que tu trouves une porte ici. Continue à droite. On dirait trop une paire de fesses. Mais c'est une pêche, quoi. Non, c'est une pomme. Une bonne pêche. Une bonne pêche. Une bonne grosse pêche. Une petite bub. Oui, je crois qu'elle est à la porte. Mais dans le trou. Ah, enfin celui-là. Ouais, voilà. Parce que pas le trou, il y a les têtes de mort qui disent attention, tu vas mourir. Oui, non, ça hein? C'est voilà. Ça c'est un autre trou, le mauvais trou. Parce que dans la vie, il y a des bons trous et des mauvais trous. Dans la vie, il y a deux types de trous, les bons et les mauvais. Et là, tu fais rond. Bah, j'appuie sur rond. Ou en haut, X, ou je sais pas. Ah, je suis un singe. Mais non. On n'est pas plus avancé. Bah. Mais voilà. Ah, il fallait en haut et rond. Ah ouais? Ouais. Oh. C'est nul, hein. Ouais, franchement. Nul sur 20 pour les contrôles. Nul sur 20. Voilà. Et donc, ouais, donc merci beaucoup Lola de votre expertise en matière de psychanalyse. Ah bah moi je suis en matière de psychanalyse, ouais. Je suis dans le top du game. Ah ouais. Ah bah... Mais je me sens refait. Je fais souvent des conférences. Je suis un nouvel homme. C'est vrai? Ouais. Comme le journal? Non, c'est pas ça. Ça c'est le nouvel homme. Ah oui, le nouvel homme, oui. Voilà, c'est parce qu'ils sont plusieurs.
Ah, oh bah je suis reparti dans la porte. Bah donc. C'est bravo, tiens. J'ai fait, oh bah tiens. Hein, parce que après tout elle est ouverte, donc autant la prendre. Ouais. Hein, parce que bon. T'as vu comment elle habillait aussi un peu la porte? Oh! 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 Oh, oh, ça va pas? Non, ça va pas? Parle des portes comme ça. Ça va pas, Noé? Hein? Elle porte ce qu'elle veut! Oh! Putain, JPP, ça. Il faut dire qu'elle avait de sacrées belles poignées. Poignées d'amour. Allez, les poignées de love. Poignez-moi d'amour! Je veux des poignées tous les jours! Non, c'est Laurie qui chante ça. Non. Moi j'ai besoin d'amour. Sur des poignées latines. Des poignées tous les jours. Et en fait dans le clip c'est une porte. Ouais. D'ailleurs c'était le premier clip de Didier Porte. De Didier Porte à faire apparaître des portes à l'écran. Et d'ailleurs ça a été un grand soulagement pour la communauté des portes. Ouais. Qui se sont enfin sentis représentés. Reviens tu vois les violets? Oui. Ah je peux les casser eux. Mais tiens. Voilà. Et là comme ça t'as plein de poignons. Bon, moi je m'en fous du pognon, je suis pas matérialiste. Ben non, mais après tu veux du pognon. Je suis psychologue. Ça n'a rien à voir. Attends, parce que, comme dirait l'expression, n'est pas psychanalyste qui mange des pommes de terre. Ah, les pommes de terre. Alors tu vois, je suis plutôt contente qu'on en arrive là. Voilà, alors, arrivons sur le débat parce que je pense que là. Moi, je suis pas d'accord. L'épisode commence vraiment pour ceux qui n'ont pas suivi là, voyez. Pourquoi pommes de terre? Ça n'a rien à voir avec des pommes. Ok, de terre. Ça n'a pas de pépins. Okay. Ça a pas de pépins. Non, mais on peut les appeler de terre. Mais je crois que tu peux pas encore parce que il faudrait qu'on attaque vers le haut, mais tu peux. Enfin bref, excuse-moi, tu disais. Bah pardon, je suis déterminée. Mais bon, pommes de terre. Pourquoi pommes? Et pourquoi pas des poires de terre? Parce que techniquement, ça ressemble plus à des poires qu'à des pommes. Ça dépend, ça dépend. Oh, monsieur, des poires de terre. Non mais écoutez, non, je peux pas. Non. Monsieur le cabache, tout de même. Faut arrêter de tergiverser. Je pense qu'il faut recentrer le débat là. Je pense qu'on est parce que là, il y a un moment, faut arrêter de dire tut-tut, hein. Oh. Ouais, non, j'ai pas eu peur. J'ai pas peur, moi, madame, de dire tut-tut. Ah bah oui. Faut juste bien placer. Rappelez-vous qu'il y a un jeune public qui nous écoute. Non, mais tut-tut quand même. Ok, ok. Tut-tut, pas de marque. Quoi? Regarde, tu te fais asperger de. Eh, c'est encore toi à poil. Ah ouais, moi à poil, j'adore. Canalise tes passions et laisse la magie prendre forme. Pourquoi ils ont fait ça, quoi? Sérieusement, c'est nul. J'ai jamais compris. En fait, tu lis pas. Tu as saisi la danse de l'éléphant. Genre, tu l'as prise comme ça et t'as fait. La danse de l'éléphant. Maintiens simplement la touche danse, puis relâche-le pendant second pas en fait, de la danse du ventre. Si tu lis que les trucs en gras, t'as compris? Ouais. Danse de l'éléphant. Touche danse. Voilà, c'est tout ce que t'as à retenir. Ouais, ouais. C'est beau. Et en fait, faut que tu restes jusqu'à ce qu'elle fasse son deuxième mouvement. Non, ça c'est le premier. Elle était pas encore en... Là, deuxième, voilà. Oh! J'ai tué un éléphant. Dire que c'est un éléphant qui flotte au-dessus de l'eau. Bah oui, il est trop rapide l'éléphant, ouais. Bah non, c'est un éléphant. Bah ce fait. Un éléphant qui charge. Mon petit gars, ça va vite. T'as déjà fait une course d'éléphant. Et là, tu peux charger. BAM! Ah, c'est marrant. Donc maintenant, tous les endroits où t'avais des blocs comme ça, tu peux aller les ouvrir. Ce vase-là. Oui. Moyen de maintenir la touche pour faire un gros dash. Plus tard, je crois. Oh non, faut me mettre en petit singe. Je suis en plein désespoir. Mais non, pourquoi? Bah si, parce qu'il faut que je remonte. Mais tu peux pas. Oh non. Il y a des crantés. Crantés. Non, j'annule. Crantés, Chris Revenge. Voilà. Bon, par contre, je suis dans la mouise, moi j'ai vraiment plus rien comme tabac là. Je suis, mais... C'est vrai. Degré zéro du tabac. Eh ben, c'est bien. Fumer, c'est mal. Bah je sais, mais... je suis pas quelqu'un de bien, moi. Ça, c'est vrai. Ma maman m'a dit d'arrêter de te voir. Oh, bah elle a bien raison. Parce qu'elle dit, PJ, dis donc. Il fume, il boit, mais le pire de tout, je crois, c'est que des fois il met des lunettes de soleil. Et non, tout le monde alors sait ça que c'est faux. Ceux qui mettent des lunettes de soleil, c'est des blasphèmes. Des ce sont des blasphèmes, c'est pas des lunettes de soleil. Ce sont des c'est un objet en fait qui me permet de. Que je mets devant les yeux sur mon nez et qui me permet de voir un peu plus sombre quand il fait trop jour. Donc t'es un vampire? Non. Bah pourquoi t'as besoin de voir plus sombre quand il fait trop jour? Parce que parfois le soleil est trop bruyant, figure-toi. Ça marche pas, ça tient pas debout. Ça tient pas debout. J'étais enquêtrice, je sais ce que je dis. Bah non, ça tient pas debout, je marche sur la tête, tu crois quoi? T'as suivi un peu l'épisode? Ouais, c'est vrai, comme ce monde. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Manger des figurines de papier. Et des blinis au tarot. Wow! Oh, tiens, c'est pour toi! Ouais. Alors attention, ne te plante pas parce que j'ai tenté une fois. Hein. Ils ont eu des problèmes. Hé, hey, cervelle d'oiseau! Tu vas où comme ça? Ça va pas être facile. Ouais. Mais qui est-ce que... T'inquiète pas, tu es chantée, c'est ça? La fille avec le cerveau. Ah, c'est vrai.
oui. C'est sympa ça comme définition. Ouais. Hein. The Skeleton Town. Ouais, notre sœur arrête pas de nous prendre la tête avec elle. Celle qui parle comme Maïté. Vous êtes les frères de Roti Tops, hein? Ouais, c'est ça. Moi c'est Abner Cadaver. Moi c'est Abner Cadaver. Le grand frère. Oh putain, c'est Pascal le grand frère. C'est Pascal. Et lui c'est Po. Lui c'est... Et lui c'est... Et tu crois qu'en sachant, on dit que c'est une peau de chat? Bah, on est là pour faire une proposition. Waouh. Waouh. On est là pour faire une proposition. C'est-à-dire hein. C'est-à-dire qu'on sait que ton prochain arrêt, c'est l'hypno. Prochain arrêt, hypno. Baron. Baron. Parce que j'avais pas tout dit. Sa forteresse au bord de l'océan est impénétrable. Y'a pas moyen que tu y rentres sans notre aide. Et c'est un labyrinthe profondément creusé dans les falaises au bord de la mer. Il y a plein de pièges et de trucs dedans. C'est très, très dangereux. Voilà notre offre. On te fait rentrer et en échange, tu nous prépares du café. Ah oui. Wait, what? Vous êtes sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? À mort. Wow! Humour! Tu connais les zombies sauvages mangeurs de cerveau? En fait, y'a qu'une bonne tasse de café qui nous sépare d'eux. Oh. Alors fais-le! T'as pas envie de voir Roti Tops avec les yeux révulsés qui se jettent sur toi, non? Il va falloir une machine à café. What else? Et des grains de café. Bien frais. Ah oui, et moi je prends le mien avec un petit œuf pourri. Gross, c'est dégueulasse. Mélangé dedans. Bah, il est mort, il s'en fout. Oui, mais bon. Apporte-nous le café au vieux hangar à bateau et on te donnera un moyen d'entrer dans le labyrinthe. Compris? J'ai bien compris, mais vous voulez vraiment que j'aille chercher... Chercher le café? Trouver son nom. T'es pas obligé de le faire. Mais bon, courage pour entrer chez l'hypnobaron sans ça. Waouh, donc en fait, notre quête là, la prochaine fois, c'est de faire du café pour des zombies. Mais c'est tout à fait la vie, normal. Flûte, qu'est-ce que c'est? Ils nous appellent, ils veulent du café, ça va? Allô? Ouais, salut! Oui, on arrive, on fait le café. Ah bah voilà. Voilà. Bon. Regarde, ils sont vraiment... à peine ils sont partis. Et déjà, tu vois, genre, les mecs, ils se prennent vraiment pour des... Pour des pieds de porte. Ah, j'aurais voulu te dire des pieds de porc. Non, c'est pareil, mais sauf que c'est, tu sais, c'est les cochons quand ils rentrent dans leur enclos, et ben c'est un pied de porte. Ah, ouais. C'est ça. Et il y en a qui mangent, enfin ceux qui aiment le bois, les mythes par exemple, les grosses mythes, elles aiment bien les pieds de porte. Les grosses mythes. Les grosses mythes. Et tout le monde sait que j'adore les grosses mythes. Bah... Sur ce, belle parole. Ah, toi aussi tu regardais Yu-Gi-Oh? Oui. Les grosses mythes. Non, Yu-Gi-Oh. Yugi. Arrête cet épisode. Il est trop long. Je suis enfermé dans la télé à cause d'un jeu de cartes. Mais pourquoi tu me parles en fantôme, grand-père? Tu es mort? Non, j'ai joué aux cartes. J'ai une expression très simple. Plus tard. Bon bah, salut. Bisous. Je suis transformé en grand-père.